je montre mon effort et la vie normale, de faire en sorte que appliquer les laser jets, nettoyer les airs pour que les Congolais puissent vivre dans un environnement ambiant. Vacciner, c'est bien bon, mais ce n'est pas ça qui importe. L'INRBG va savoir que nous devons traiter la bonne jeunesse. Les airs doivent être, quand il y a des blattes qui entrent dans votre maison, qui ne cassent pas les clous ou bien le castre, mais vous allez pulvériser. Ici, nous sommes dans l'obligation d'emprunter les avions. Il y a un qui peut commencer à l'ouest, 1h à 3h. 3h à 5h à l'est pour essayer de nettoyer les airs des fois parce que c'est un angle égal à 1 fois 5 carrés. C'est que vous devez savoir que ça va commencer. Forte rescousse. Il y a maintenant la Chine qui exploite même ces formules. Congolais, vous êtes dans l'obligation de suivre ce que les savants vous disent en tant que scientifique d'État. Il a déjà trouvé les produits aussi, les B12 qui doivent déjà aider le Congolais à se développer. Comme votre distraction vous ébranlissonise, pas question. On vous impose ce qu'on appelle l'avancée du pays. Mais Eddy Manou a déjà ce qu'on appelle toutes les résolutions de produits dans l'euro à Fokassa. Vous avez dans le Covid, hein, cette maladie d'avirale, les résolutions du monde entier sur cette maladie. Vous devez savoir que même au-delà du temps, le pays doit répondre par les canaux. Le vaccin est déjà là, qu'on appelle MFC. Hein, mais vers français, on est en contact, les Allemands, tout ça, pour reproduire des éléments. Ce qui importe, que vous compreniez d'abord. Parce que le Congolais souffre des carences de la compréhension. Il y a plus de ce qu'on appelle l'agglutination et la dyschromatopsie. La dyslexicomatisation qui les amène vers la thanatopraxicologie. Alors, pas question, sachez que le savant Eddy Manou a déjà des résolutions sur le Covid, a déjà des résolutions pour accompagner la RDC, quitter le monde de la misère, qui n'aime pas. Il veut que tout Congolais puisse avoir un niveau de réflexion, parce que 90% souffrent de ce qu'on appelle carence de la panacée, plus de papouassitionnistes que de panafricanistes. Pan, c'est avancé. Panafricanisme. Vous trouverez les savants partout. L'association de jeunes sages du Congo, que M. Kordon Bala Karibo est en train, d'une manière ou d'une autre, de réquincavisionnaliser. 082-27-27-928, 082-082, 42-25, 097, 890, 49-20. Appelez le savant du Marou même sur 090-0-85-0-85-0-84-3-9-8. Vous m'appelez, mais sachez que les résolutions sont déjà là d'emblée. Que ce soit les systématiques moléculaires. Mais comme vous êtes plus dans la distraction, en tout cas, c'est très difficile que vous puissiez vous apparenter, faire comme les... On est grande puissance lorsqu'on pense mieux. On est petit lorsqu'on ne produit pas. Les grandes nations sont celles-là qui produisent en grande quantité, qui se certifient, ces gens-là, comme qui se certifieraient par leur compétitivité. Parce que nous sommes dans un monde de la convivialité sur le compendium, la grande compétence. Le Congo serait grand lorsque les productions seraient d'avalanche. Parce que le sous-sol, le sol, la nature et la compensation devaient déjà être sous l'ombre de la systématique d'exploitation. L'exploration et l'exploration sont des tubes, et l'exploitation sont les pragmatationnalités vers le vu, l'axiomatique, le pétodisme ne nous intéresse pas. Alors, le savant Eddy Manou a déjà trouvé les résolutions sur le Covid. Ne rêvez pas, faites tourner vos têtes. Bon, pour le moment que le Congolais pense ou pas, Eddy Manou résonne à leur place. Parce qu'il en a marre de voir dans un pays des situations pareilles. C'est trop rudimentationniste, c'est trop bas. Or, si nous produisons nos maïs dans 2 mois, 3 mois, on pouvait manger en grande quantité en compromis, les riz le long du fleuve et toutes les provinces, le ZIP 26-00243 que je viens d'imposer, unité de production de 26 provinces, Zip-Tambélex, truc dans Y, comme il y a IC24SKN, ça c'est pour plus chasser, unité communale de 24 cités, qui nous autres, qui nous salent, déjà le 30 juin, centenaire ville capitale.
1920-2020. Parce qu'avant 1920-1908, la systématique des Congo belges, hein, autour d'associations. Vous allez remarquer que